Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on partage une recette des petits roulés de dattes, bacon et chèvre. C'est quelque chose qu'on peut servir en apéro. Et d'abord, il faut juste couper euh, du lardon, du bacon. C'est euh, fumé et salé. Et il faut juste couper des lamelles de lardon d'une taille qui vous plaît. Après, il faut prendre une bûche de chèvre. Et le couper en morceaux qui convient à la taille des dates que vous avez trouvées. Après, il faut juste ouvrir les dates dénoyautées et euh, placer un morceau de chèvre ainsi qu'un petit morceau de romarin. Il faut saler poivrer et puis rouler la date dans euh, le lardon. On peut utiliser juste un petit morceau. Euh, de la tige de romarin pour euh, sécuriser euh, la fermeture des dates. Et on va juste continuer comme ça avec euh, toutes les dates. Et on peut utiliser aussi des dates plus grandes que, que celle-ci. Dans euh, un moule. On peut huiler, il faut juste placer les dates et euh, en fait après on va les faire chauffer dans euh, le four pendant euh, 20 minutes environ à 200 degrés Celsius. Et euh, c'est sûr qu'il faut garder un oeil là-dessus pour qu'elles ne brûlent pas. Mais après on a vraiment un résultat très très bon. Comme vous pouvez voir le lardon est, est bien cuit et est doré et le fromage a fondu et les têtes restent un peu caramélisées. Et sucré comme, comme toujours et ça c'est quelque chose que l'on peut toujours servir en apéritif euh, avec un verre et nous on aime très bien ça aussi comme un petit euh, snack euh, avec le brunch c'est super bien parce qu'il y a le, le goût salé et de l'ardon et du fromage et il y a aussi le goût sucré des dattes c'est quelque chose qui, qui donne juste tout ce don dont on a besoin Merci d'avoir regardé MTB Cooking avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne le faites pas encore. Et à la prochaine fois, salut